Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Twitch d'Exhype, comme chaque lundi pour les Open GT Series, avec un nouveau calendrier pour le mois de mars qui a vu le jour, un calendrier très sympathique et vous allez le découvrir tout au long de ce mois, semaine après semaine, avec déjà un premier combo très sympathique puisqu'on va se retrouver pour une course de nuit. Ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour ce genre de course. Si je ne dis pas de bêtises, la dernière fois c'était sur Indianapolis, mais je peux me tromper. Et Indianapolis, ça remonte quand même à 2022, à fin 2022. Donc ça fait plaisir de retrouver aujourd'hui, ce soir, une nouvelle course des Open GT Series de nuit. La nuit, c'est toujours le spectacle, hein, clairement. On va voir aussi de très belles images tout au long de la soirée. Alors, on commence en tout cas pour le serveur à 20h, heure in-game bien évidemment. Qualification à 21h in-game et 22h in-game pour la course qui se terminera à 23h in-game. Bien évidemment, je tiens à le répéter, à le préciser. Tracé de Silverstone ce soir, catégorie GT3. Combo très sympathique et on va vivre tout ça bien évidemment tous ensemble. Vous allez être là à nos côtés, à mes côtés, je serai à vos côtés aussi pour vivre cette soirée bien évidemment. On va comme d'habitude présenter le tracé de Silverstone pour ce soir, comme je vous le disais, situé en Grande-Bretagne.
dans le sud de la Grande-Bretagne, ici à Silverstone, donc comme on l'évoquait, tracé sympathique, technique aussi, notamment sur le premier secteur ce soir, 5,891 km pour la longueur du tracé, 18 virages, ouverture en 1948. On parlait de la technicité, de la complexité de ce tracé, notamment sur l'entame, avec l'enchaînement Beckett's, La Chapelle et autres. C'est vrai que c'est toujours assez chaud, justement. Et vous le voyez, c'est ces enchaînements en virage 2, 3, 4, 5, avec la sortie sur le 6, justement. On a aussi ce gros freinage au virage 8, bien sûr. Mais voilà, circuit qui va être plutôt sympa. De la technicité aussi, justement, et qui peut mettre les pilotes à rude épreuve, surtout sur ces conditions de visibilité réduite. Voilà, donc un petit peu pour tout ça, on met un léger hop souci avec le son. On va l'augmenter un petit peu plus, parce que bon, faut quand même pouvoir entendre correctement les voitures des pilotes qui sont là ce soir. Et les pilotes qui sont là ce soir, on va vous les présenter, bien évidemment. On va essayer de faire le tour de tous ces pilotes, bien sûr. Alors que je vois que vous êtes déjà nombreux sur le chat avec Duc qui est là. Bonsoir à toi, Zatec. Bonsoir, Zatec. Bonsoir à Sparco, à toi, Nico. Et bonsoir à Oviette Oliver. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce direct. Et l'entame donc de cette soirée, de cette séance avec la session de qualification aussi, qui est là aussi. Bonsoir à toi, avec Twanox, Maxime aussi. Bonsoir à vous, bienvenue sur ce direct. Installez-vous confortablement pour vivre cette soirée avec, comme je vous le disais, le début de la session de qualification avec Yotox qui est là, avec Giner de la PWD, Brion de l'OSR, énormément de pilotes comme je vous le disais. Et on va essayer de pouvoir un petit peu montrer, présenter tout le monde lors de cette session de qualification. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué, un petit peu technique, parce qu'on a énormément de pilotes ce soir. Un petit peu comme d'habitude dans ces Open GT Series, énormément de monde. Avec Van Riet, Anthony Lyoda. Tous des pilotes que l'on connaît, bien sûr, et qui sont habitués, qui reviennent. Ça fait plaisir de les revoir, de les retrouver semaine après semaine au sein de ces Open. On a Adrien Boissaubert aussi qui est là, qui est présent. Je regarde un petit peu si ouais, tout est ok ici. Il s'est sorti ici, Adrien Boissaubert, avec Julien Dumont aussi, Anthony Kostinger, Alexis Gavinet de la Team Honkers, avec Ezekiel Morel, Hugo Gianpietro, Laurent Dupontchel, Benjamin Duff, Ronan Savic. Première participation pour Ronan Savic dans ces Open. Voilà Steph Pasquier. Aurélien Dubois, Anthony Saf, première participation aussi pour lui. Tom Van Bosterhout, lui, il avait déjà piloté, il me semble. Rodrigue Castard, Johan Lahai, première participation pour lui aussi. Énormément de nouveaux dans cette course ce soir. Peut-être les conditions de nuit qui voilà, ont décidé quelques-uns à se lancer. Julien Branco, Duc, aussi Sylvain Declercq, Anthony Oussio, que l'on retrouve là, avec Arnaud Pérez, Brian Remorse, Alexandre Perroche qui fait son retour aussi après la semaine passée. Une course qu'il avait été chercher avec performance, un top 5 qu'il a pu décrocher, avec Hugo Olivier aussi présent, avec Claude Alain Dautron, Michael Boucard qui se retente à nouveau dans ses Open. Il n'avait pas terminé celui de la semaine passée et il s'élance à nouveau ici en espérant qu'il puisse aller au bout. Le pilote suisse avec VRS Bob Du. On a Amour de la RT 93, Sylvain Amour, Benjamin Orens, Philippe Ocala. Hey, première participation pour lui, pilote que l'on avait sur les Open Series de Gran Turismo. Première participation pour lui ici sur Assetto Corsa Competizione. Jimmy Twice de la BFR. On a Victorio Martin, Yves Zoma, David Gend et Ludovic de Oliveira, et ainsi que Zenon. Première participation pour lui, justement. Voilà donc un petit peu avec ces brèves présentations des pilotes sur ces 5 premières minutes de cette session de qualification, permettant donc maintenant de pouvoir lire les temps des pilotes.
avec Gineur de la PWD sur les avant-postes avec une 57-742. C'est le chrono qui a été réalisé par le pilote de la PWD. Benjamin Jotox sur la deuxième place et c'est Savic, Roland Savic sur la troisième position. Ouais, qui s'est un petit peu loupé ici. Eh oui, dommage. Et donc on va devoir avorter ce chrono, repasser par la voie des stands. Hugo Giampietro avec la quatrième place, pas très loin derrière lui, 83 millième d'écart. C'est Benjamin Brion de l'OSR. Ezekiel Morels 6e, 7e pour Kostinger. Et des gros gaps pour l'instant dans cette session de qualification, en tout cas entre la tête et les poursuivants. Ça évoluera bien sûr. Et des écarts assez restreints quand même dans le millefeuille pour l'instant, dans ces premiers chronos. Bien sûr, en voie d'évolution pour les pilotes forcément qui n'ont peut-être pas trouvé les performances optimales. Oh, on est parti large ici. Je sais pas qui c'était derrière. C'était pas Perez, non, c'était un pilote en Porsche. Ouais, c'était pas Benjamin Duff non plus. Ouais, avec ses pilotes, hein, justement. Énormément de voitures aussi différentes. Ça, c'est sympathique de pouvoir observer cela. De l'Aston Martin, de la BMW, Audi, Ferrari, Mercedes, McLaren, Porsche. Bon, là, un petit peu tout. J'allais dire, il n'y a pas de Ferrari, mais si, Filippo Calla, notre ami italien, qui fait honneur au cheval cabré, bien évidemment, ici. Pour Filippo Calla, qui était un très bon pilote, hein, sur Gran Turismo. À voir un petit peu ce qu'il peut proposer face au Cador ici de ces Open GT Series. On verra un petit peu ce qui peut être réalisé, être proposé. Alors que certains rentrent dans les boxes, quelques petits soucis. On a des améliorations, notamment pour Benjamin Brion, 3 dixièmes. Ça permettrait d'aller chercher Jotox. Parce que Gineur, lui, il est. Et Gineur, attention, hein, il a amélioré son chrono. Il vient chercher quasiment 5 dixièmes d'avance par rapport à Jotox au cours suivant. Attention à Ezekiel Morels ici. Avec la 8e position. Alors petite mention aussi peut-être aux personnes qui reverraient le direct, notamment les pilotes. Alors il y a eu un petit souci avec le livret. Puisque le jeu parfois n'accepte pas, il y a un petit bug et donc voilà, ça sera corrigé pour la fois prochaine. Mais donc certains qui ont envoyé leur livret ne l'ont pas affiché ici ce soir. Mais il reste quand même aux couleurs. Mais oui, c'est vrai que parfois ça arrive, chargement de livret. On avait déjà eu ça sur Watkins Glen pour l'endurance. C'est le jeu, ça c'est encore ça. Qui parfois voit tout simplement son chargement de livret un petit peu bugué. Duc ici, 15 millième d'avance sur Boissaubert. Alors que vous le voyez ici, on en parlait, hein, 21h, l'heure locale de piste, en tout cas in-game. Et le soleil qui se couche petit à petit. Ah, et Duc, voilà, grosse amélioration pour le pilote. Il vient de monter sur cette troisième place. Anthony Ussio qui est là aussi en grosse amélioration. Ah, et les pilotes qui commencent petit à petit là, à affiner leur chrono. Ça tombe bien, on a seulement réalisé la première moitié. Il reste donc 7 minutes dans cette session de qualification. La possibilité pour les pilotes d'aller signer encore 2 à 3 chronos. Et potentiellement d'aller chercher les plus hautes places, c'est ce qu'on veut, partir le plus haut possible. Parce que c'est vrai que sur un départ avec autant de pilotes, se retrouver dans le milieu de tableau, ça risque mine de rien d'être compliqué. Il faudra regarder à droite, à gauche, devant, derrière. On est beaucoup plus sollicité et mis sous pression que lorsque l'on se situe sur le haut de tableau. Avec Ludo Suisse qui nous dit bonsoir tout le monde, go la Suisse RC. Avec Valky Sparco qui met ma petite tête qui tourne. Et LSL Gaming qui dit allez les Honkers, push, push, push. Et Anthony Ussio justement des Honkers, il est là. Et il va passer la ligne dans quelques instants. 7e position pour lui. Mais c'est dommage parce qu'il était à 6 dixièmes d'amélioration au début de son tour. Sylvain Amour de la RT93, volant de la Ferrari. Qui est en 20e position pour l'instant.
Il y a du beau monde, hein. Clairement il y a du beau monde ce soir, de très gros pilotes. Avec Rédic qui nous dit bonsoir à tous, et bien bonsoir à toi, bienvenue sur ce direct. Et Amour donc, qui va passer la ligne avec 9 dixièmes pour l'instant d'amélioration. Est-ce que ça va être concrétisé au passage de la ligne ou est-ce que l'on a son tour qui est invalidé? Eh bien non, c'est validé, 7ème place pour le pilote. Et la numéro 95 qui se place donc à moins d'une seconde de la tête. Ouais, pour 2 millièmes. Hein. Pour 2 millièmes, il était à une seconde de la tête. Il se retrouve à 20 millièmes d'avance par rapport à Ossio qui lui avait amélioré hein, justement le chrono tout à l'heure. Tour précédent. Avec Dubois ici, on a Julien Dumont. Amélioration avec la McLaren. Il va arriver sur ce dernier virage. Voilà. Et au passage de la ligne dans quelques instants. Et bien voilà la 20ème place pour Julien Dumont, magnifique. Et Philippe Ocala qui est sur cette 29ème place. Lui, ouais, on voit des écarts assez conséquents. VRS Bob Duc qui lui est à plus de 123 secondes de la tête. C'est pas très bien ce qui s'est passé, un tour en 4 minutes. Et on n'a pas encore signé de chrono du côté de Gavinet, du côté de Duponchel. Et du côté de... C'est Tom Van Bosterhout. C'est ça qu'on voyait T justement. Et comme ça on voit bien le nom, le pilote français. Donc au volant de cette Porsche, pas de chrono signé. Et trois pilotes qui n'ont pas encore signé. Avec Philippe Ocala, une seconde d'amélioration. Qui se met un petit peu dans le bain. Arnaud Pérez aussi, 4 dixièmes d'amélioration. Ça c'est plutôt pas mal. Il pourrait aller chercher Castard, hein, Rodrick Castard. Et il est seulement sur les prémices de son chrono. Adrien Boissaubert aussi. Et ça n'améliore plus trop. Attention par contre sur ses avant-postes avec Yotox. Ah, et l'objectif d'aller chercher la pole pour l'Aston Martin de la Team Hunkers. Troisième place pour l'instant à moins de 5 dixièmes. Et pour l'instant c'est 5 dixièmes d'amélioration sur ce chrono actuel. Et il est derrière Duponchel profitant. Donc de l'aspiration, c'est parti loin derrière la Porsche, attention, attention, vous l'avez vu, elle est partie très 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 loin, et c'était Van Oosterhout je pense, parce que c'est lui qui avait la Porsche en mauve, rose, et Yotox, attention à Yotox, peut-être, allez chercher la pole sur Giner, une 57-467, est-ce que ça va être battu? Ouais, et non. Un dixième malheureusement. Ah c'est dommage, hein, c'est dommage. Et on améliore aussi devant pour Giner. Là, l'Aston Martin qui se comporte plutôt bien, on a l'impression, sur ce tracé de Silverstone. Sylvain Declercq avec la 13ème place pour l'instant. Deux dixièmes d'amélioration sur son tour actuel, mais pas suffisant pour aller chercher Morel. Et Boissaubert passe devant lui d'ailleurs. Grosse amélioration, c'est Jimmy Twice en grosse amélioration ici. Avec 7 dixièmes, ça peut être bon là pour Jimmy Twice monter sur le top 7. Avec la McLaren 720S. Et ah oui, attention, hein, on a les Britanniques, les voitures britanniques qui se sentent plutôt à l'aise, Aston Martin et McLaren. On a attention aussi Dimix qui nous dit bonsoir à tous, c'est Gogo Leon Curse. Bien bonsoir à toi, bienvenue sur ce direct. Et Jimmy Twice, donc la numéro 426 sur la fin de son tour, qui a perdu 3 dixièmes. Auric TV qui nous dit salut à tous, salut à toi, bienvenue, installe-toi confortablement pour vivre cette course. Fin de la qualification dans quelques instants, avec Giner qui peut aller chercher très confortablement cette pole position. On est à 4 dixièmes d'amélioration par rapport à son meilleur temps au tour. Il a signé une 57-467. Et il va aller chercher potentiellement les 1,56. Est-ce que ça va être bon? Pas pour Giner. Attention, passage. Et bien voilà, une 56,960. Magnifique pour terminer cette session de qualification. Ça risque d'être très compliqué d'aller chercher là maintenant pour les pilotes. Et on a Dimix qui nous dit beaucoup de pilotes ce soir sur le chat. Oui, beaucoup de personnes, mais c'est vrai que je vous appelle aussi pilote, je sais pas pourquoi. C'est vrai, beaucoup de viewers en effet.
et Auric qui met les petits emojis de la honkers. Magnifique emoji en tout cas, très chouette. Notre ami Auric ici. Et Dubois, 20e position. Mais pour te répondre, Dimix, c'est parce que parfois j'ai des pilotes qui viennent sur le chat en même temps. Ou alors quand on est sur Gran Turismo et qu'on fait deux salons. Il y a des pilotes qui roulent sur le salon 1 et qui viennent après sur le live lorsque on casse le salon 2 et inversement. Et donc c'est vrai que c'est aussi des pilotes à ce moment-là. Et vous êtes tous un petit peu, vous êtes tous un petit peu des pilotes, hein, mine de rien. Viewer aussi, mais je pense que vous pilotez clairement. En tout cas, Good Jean Pietro, grosse amélioration aussi. On arrive dans cette fin de qualification. Le drapeau à damier qui va être brandi. Tout le monde doit passer la ligne maintenant. En déant les 2 minutes, bien sûr. Et ça peut encore bouger, sauf pour ceux qui sont dans la voie des stands. C'est le cas de Jotox, Brion, Pasquier, Twice, qui est monté sur la 7ème position. C'est vrai qu'on l'avait évoqué, qu'il avait la possibilité d'aller lui chercher ce top 7. Et il l'a fait. Il y a Sylvain Amour de la RTN en 3, 4 dixièmes. Intéressant pour lui, pour aller chercher potentiellement Savic. Et on a passé la ligne pour Tony Kostinger. Hugo Giampietro, voilà la 7ème place. Ça bouge encore un petit peu. Sylvain Amour, justement, avec ses 5 dixièmes. Qui va voilà, passer la ligne dans quelques instants. 4ème place pour le pilote de la RT 93. Et ça, ça va mettre en confiance. Yves Zoma, 16ème. Avec Mathieu Van Riet. 3 dixièmes d'amélioration pour l'instant. Et Ridy qui disait, oui, il n'y avait plus de place pour ce soir. C'est vrai que. On était quasiment fou. Il y a eu des désistements de dernière minute. Mais on était avant tous ces désistements à plus de 50 quand même. Et on doit mine de rien limiter un petit peu par rapport au nombre de pilotes en piste. Et en effet, comme tu dis, Dimix, hier soir on était déjà à 40. Il y avait du beau monde. Il y a eu pas mal de désistements dans les derniers instants. Mais ça a été compliqué de réagencer un petit peu une liste. Donc voilà, c'est vrai que pour les inscrits de dernière minute, on n'a pas su effectuer les remplacements. On s'en excuse forcément. Mais faut comprendre un petit peu voilà, avec ce grand nombre de pilotes. Mais il y aura encore des prochaines courses, pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Ici, ils sont 40 en piste. On a eu énormément de désistements de dernière minute, malheureusement. Et on n'a pas su regarder pour pouvoir compléter ça, parce que c'était vraiment en dernière minute. Alors que vous voyez le classement qui est ici sur la gauche de votre écran. Avec Giner donc qui s'élancera depuis la pole, avec Jotox qui lui emboîtera le pas. Quand même 5 dixièmes d'écart, c'est le pilote de la PWD qui est au-dessus, clairement. Et après derrière ça se suit plutôt bien, assez proche. Ça va être vraiment intéressant de suivre tout ça, de suivre cette course. Le midfield qui risque d'être assez bagarreur, batailleur, quand on voit que tout le monde tourne à peu près dans les mêmes chronos. Et Oxy qui nous dit quel boss, Duc qui dit le Pierrot est vénère. Ouais, là, il est vraiment sur un magnifique chrono. C'est quand même très chaud là ce qu'il a proposé. On voit un petit peu la suite aussi de ce classement qui défile. Et là, les écarts sont un petit peu plus conséquents quand on passe les 2 secondes 0,92, parce que ça reste quand même très proche. Hein. 7 millièmes entre Perez et Staff. On a 15 millièmes entre Safero et Bran Rebours. 20 millièmes entre Branco et Bran. Donc c'est vrai que c'est très serré. Après, c'est un petit peu plus écarté, mine de rien. Voilà, justement, avec maintenant la course qui va être donnée dans quelques instants. Et vous voyez, c'est nuit noire. Alors les pilotes vont allumer leur feu, forcément. On va pouvoir y voir un petit peu plus clair. Mais on vous l'avait dit, c'est une course de nuit ce soir. Avec Duc qui nous dit, bon, on va essayer de garder cette P5. Eh oui, il faut essayer de garder la P5, forcément. Essayer de tenir. Ça va être une course qui risque d'être technique compliquée. Avec les gommes aussi qui vont fortement s'allumer. Alors, pas d'arrêt au stand obligatoire. Vous le voyez, justement. Donc, on me dit, du coup, on peut même pas pit. On va dire si, mais c'est pas obligatoire. Hein. Mais si on peut pit comme ça a été évoqué, mais c'est pas obligatoire. Donc petit rappel au pilote justement, avec Riddick qui dit push petite hirondelle.
Et donc ouais, ça peut le faire hein, clairement pour les pilotes. Dans les réglages, c'est mis que ce n'est pas autorisé. Alors que si c'est autorisé, c'est juste qu'il n'y a pas de, il y a pas d'obligation d'arrêt au stand. Ça avait été mentionné, ça. Et un petit peu comme ça a été le cas la semaine passée où les pilotes en GT4 se sont arrêtés, ont fait leur arrêt au stand, même si cela n'était pas obligatoire. Et voilà donc un petit peu pour cela. C'est vrai qu'on avait eu un petit peu la fois passée des arrêts qui avaient été obligatoires malgré que ce n'était pas mentionné dans le règlement. On a changé de serveur, tout est bon maintenant. Les pilotes sont contents, les pilotes sont heureux. Et on peut faire de magnifiques courses. Et une magnifique course, on va en avoir une qui va débuter dans quelques instants, comme on vous le disait. Ça va être très intéressant. Ça va beaucoup se bagarrer sur le midfield. Il va falloir s'extirper un petit peu de cela pour les pilotes qui y sont placés. Derrière, faudra essayer de gérer les choses correctement. Le rythme, forcément, je vous le disais, circuit qui va demander beaucoup aussi au niveau des pneumatiques. Donc, il faudra essayer de gérer cela au mieux. Nous, on va, hop, voilà, retrouver maintenant nos caméras. Merci. Après vous avoir montré un petit peu le classement suite à la session de qualification. Donc, les pilotes qui sont ici, qui sont présents, qu'on va pouvoir distinguer de par leur phare. Mais cette piste, comme on vous disait, qui n'est pas éclairée, on est dans le noir complet. Et donc, c'est tout aussi particulier, tout aussi sympathique aussi. La clé, comme je vous le disais, ce soir, s'extirper du milieu de tableau, éviter les grosses erreurs. Ça, c'est un petit peu le cas pour toutes les courses, surtout sur le premier secteur avec Beckett's La Chapelle. Et surtout, une très bonne gestion des pneumatiques, puisque ce tracé de Silverstone est très agressif sur la gomme. Les pilotes donc qui sont à leur tour de chauffe, le tour de chauffe, tour complet. On va essayer, enfin en tout cas nous on n'a plus le sort de cela, mais on espère que les pilotes vont gérer correctement leur départ, essayer que ce soit le plus propre possible. On n'est pas à gendarmer bien évidemment, nous on veut vivre cette course à 100%. On va passer une seconde dans les menus, mais après avec autant de pilotes on le sait, ça peut toujours se passer, voilà, un incident en début de course. On a mentionné nous ce qu'il fallait faire, comment gérer, et puis les pilotes sont bien évidemment conscients des démarches à effectuer sur le premier tour en levant le pied. Oh, attention à Dumont et Perroche qui sont tous deux dans la voie des box. Aïe 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 aïe. Que s'est-il passé pour le pilote de la Valkyrie Exhype et pour le pilote de la DDD qui partiront depuis la voie des box. Ils partiront depuis la voie des box. Et décidément, pour Alexandre Perroche, sur son premier open il y a 2 semaines, il s'est fait striker par une personne que l'on a écartée bien évidemment. La semaine passée, il a pu rouler, tant mieux, et il a été chercher un top 5. Cette semaine, il partira depuis la voie des stands. Ça, c'est assez particulier, la chance de cet homme qui me disait... Ouais, qui me disait avoir été un petit peu surpris, hein, clairement, il y a de ça 2 semaines de ce gros incident. En tout cas, on va voilà, être parti dans quelques instants. On va rentrer dans le troisième et dernier secteur. Et on va pouvoir partir. 1 heure de course, on vous le disait. Et nuit noire, ça a changé, hein, vraiment. De la situation horaire de la qualif, passer de cela à vraiment le noir complet et la visibilité on ne peut plus réduite. En tout cas, on espère que ça va être ok pour vous. Vous allez pouvoir, en tout cas, manière du direct et visuellement suivre ça correctement. Normalement, oui, on voit plutôt bien. Pas de soucis à se faire là-dessus clairement. Et attention, on va arriver dans cette dernière boucle, pardon, et le départ qui va être lancé dans quelques instants. La pression qui est à son comble et on espère que tout va bien se passer pour les pilotes pour ce départ. Au passage,
bien sûr, de la ligne, les feux verts qui seront enclenchés et le départ de course qui sera donné, le drapeau vert qui sera enclenché. Donc, comme on vous le disait, avec Selfa qui nous dit salut à tous, bonne course et bien bonsoir à toi, bienvenue sur ce direct et un grand merci pour les pilotes. Et le départ, donc, au passage de la ligne blanche. Ce n'est pas celle-ci, c'est la prochaine qui arrive. Ça, c'est la ligne à damier. Et elle est là, cette ligne blanche. Et le départ, voilà, qui est donné l'envol pour les pilotes dans cette Open GT Series avec un bel envol de Giner à l'intérieur. Attention, derrière sur ce premier virage, ça se passe plutôt bien. Magnifiques images en tout cas avec toutes ces voitures, ces couleurs, ces feux. Et ça se présente bien. Attention, est-ce qu'on essaye de trouver un peu son lopin de terre? Et bien voilà, le contact qui était inévitable forcément dans ce début de course. Et pourtant, on l'a mentionné, de lever le pied. Et quelques voitures qui sont parties à droite et à gauche. Incident malheureusement. Et on sort de la voie des box pour Alexandre Perroche et aussi pour Claude Alain d'Outremont. Et devant, voilà la course qui est partie. Regardez, magnifiques images. Et oui, on a des pilotes un petit peu partout. Attention au classement qui doit se remettre à jour avec Savic qui est ici. Quatrième position. Et on a Sparko qui nous dit, j'avais pas remarqué la minimap, sympa. La minimap, on la met toujours en bas à droite de l'écran quand on a les affichages RaceLab. RaceLab qui nous a lâché avant le direct. On rechargera bien évidemment pour la semaine prochaine. On a toujours la minimap avec les voitures. Et attention, oh là là, c'est parti un petit peu large ici. Anthony Lyoda derrière Declercq qui va aller clairement chercher les freins. Ça ne passera pas, hein, ça ne passera pas. On l'a bien tenu pour Sylvain Declercq. Beau départ en tout cas de la part des pilotes. Et du côté de Giner, on va essayer. Attention à Amour qui a glissé dans le classement, qui descend sur cette 7ème place. Et à Julien Branco aussi hein, de la team PWD qui glisse dans le classement. Et donc on va aller terminer ce premier tour, cette première boucle du tracé de Silverstone. À part un petit incident en début de course, rien de particulier, deux drapeaux jaunes. Il fallait un petit peu s'en douter, hein. Forcément, vous le savez. Circuit technique, on en avait parlé. Ces premiers virages avec les enchaînements. C'est la chapelle. Il y a un troisième à chaque fois que j'oublie toujours le nom. Alors que je l'ai mentionné tout à l'heure en briefing. Voilà, donc avec Declercq qui va tenter sur Twice ici. Très compliqué à tenter. C'est un virage où, justement, si on est un petit peu hors trajectoire, ça va être très pénalisant pour les enchaînements de la suite. Et attention à Jimmy Twice. Aïe, 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 aïe. Qui s'est loupé en montant sur ce vibreur. Jimmy Twice. Et on va revoir un petit peu ce qui s'est passé avec lui, justement. Un petit peu loin là ici. Ouais, voilà, là on va revenir sur l'enchaînement. C'est ce qu'on voulait voir pour Jimmy Twice ici. Ouais, c'est en montant sur le vibreur là. Et on a totalement perdu l'équilibre de la voiture en glisse. Et heureusement il a très bien pu se rattraper. Et il ne bouge pas. Les pilotes l'esquivent. Oh là là, et ça s'est touché. Aïe aïe aïe, dommage. Et ça s'est passé à pas grand chose hein. Ça s'est passé à pas grand chose. Et clairement là-dessus. Après voilà, c'est le fait de course aussi. Les 5-10 premières minutes, elles vont être très intenses. Et il va falloir composer avec toute cette effervescence de début de course avant de rentrer calmement dans son rythme. Et c'est ça le championnat qui réalise le meilleur temps autour avec Yotox. Ouais, qui nous a quitté Yotox. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour Benjamin Yotox. Et attention à Benjamin Brion qui essayait d'attaquer Savic, peut-être recroisé, non pas possible. Bataille entre les deux Mercedes et Duc qui est monté sur la quatrième place. Et bien oui, puisque devant lui, Benjamin Yotox n'est plus là, n'est plus présent. Oui, on a perdu deux pilotes. On a Benjamin Duff qui est dans la voie des box. Et on a Yotox aussi qui nous a quittés. Ce qui s'est passé là pour ces pilotes. Oxy qui nous dit ah, terribles images. Et on a Valco qui nous dit il y a eu accident T1 du tour précédent. Ouais, sur le premier tour il y a eu un accident hein, au T1 clairement.
incidents, mais il faudrait peut-être qu'on revoie un petit peu ce qui s'est passé. Il nous dit, ça se trouve, il était dedans, ouais, peut-être. Mais là, on ne l'a plus du tout sur le serveur, donc c'était peut-être même une déconnexion, en fait, quelque part. Peut-être un souci de connexion de la part du pilote, qui sait. Et attention à De Clercq, qui va tenter de passer sur Kostinger par l'extérieur. Oh, la manœuvre, elle est tentée, il y va, et il peut aller faire les freins maintenant. Il est bien placé face à Anthony Kostinger, qui va résister. Allez, belle défense, hein, belle défense de Kostinger, qui donne le tout. Et ça, c'est des belles images avec De Clercq, qui ne pourra pas passer, qui est emmené un petit peu à l'extérieur. Attention à ne pas trop forcer non plus. Il pourrait mettre sa course en difficulté avec Cuccio, qui est là aussi. Derrière, Anthony Lyoda. Ouais, les Suisses RC très proches. Oh, attention quand même, De Clercq. Oh, et Lyoda. Oh, et ça s'est touché malheureusement entre Kostinger et De Clercq. Mais il est passé, et Lyoda aussi à l'intérieur. Et attention au pilote de la Hawkers par l'extérieur aussi. Là, c'est des belles images. Anthony Ossio. Et c'est Ezekiel Morel, c'est qui est là. Oh là, magnifique. Ouais, pas mal de pilotes. Ouais, c'était Ezekiel Morel justement. Ossio, on vous le disait. Dubois. Ibran qui nous dit j'adore la propreté des gens derrière. Ouais. Et il y a eu un incident, à mon avis, avec Bran qui n'est plus aussi sur le serveur. Ah si, il est en piste. Le pilote de l'Aston Martin et Benjamin Duff, un stop and go de 30 secondes en étant sorti trop rapidement de la voie, au-delà de la limite de vitesse. Et en ce sens, eh bien, on écope de la pénalité de stop and go de 30 secondes. Avec Ezekiel Morels, donc ici, un petit peu dans cette bataille, devant lui, c'est Ossio, derrière lui, c'est De Clercq qui est redescendu. Pas très bien ce qui s'est passé pour De Clercq alors qu'il était devant tout à l'heure. Et toujours ce petit groupe, forcément, il y a de la bataille aussi derrière avec Yves Zoma et Rodrigue Castard. On voit les gaps, hein, forcément, avec Boucard, hein, qui est rentré dans la voie avec Zénon. Sur la 28e place. Il est ici, Zénon, le pilote de la Porsche. Avec Victorio Martin. Là aussi, il a la pression de Jund. Mais c'est Zénon, hein, ouais, maintenant qui met la pression. Ouais, il fallait le temps que le classement se mette à jour. Et il est passé. Et il est passé, Zénon, sur Victorio Martin. Oh, attention, coup de raquette et toujours avec son clignotant gauche, hein, Victorio Martin, attention. Ah, il va le laisser tout du long de cette course, à mon avis. Je crois pas qu'on l'enlèvera. Rodrigue Castard pour tenter sur Yves Zoma. Ouais, attention, non, il reste. Castard qui croise, qui trouve une opportunité, qui cherche à droite, qui cherche à gauche pour se faufiler. Et non. Eh non, il ne revient pas à passer pour l'instant. Il y a vraiment une belle défense de Zoma qui vient à fermer toutes les portes. Et Castard, là, à l'aspiration, il doit tenter quelque chose. Il doit essayer de revenir. Il aura la possibilité. Et voilà, on voit un peu les images. Ces retours de flamme très visibles dans la nuit. Et non, pour l'instant, Zoma qui résiste. Et Roland Savic qui est passé sur Hugo Giampietro. Qui est passé, non, même pas sur Hugo Giampietro, sur le pilote de la PWD. Et où est-il, le pilote de la PWD, là? Et que l'on a, c'est Pierre Gineur. Oh là là, Pierre Gineur qui est arrêté en plein milieu de la piste. Il est arrêté en plein milieu de la piste. Et ça, c'est très dangereux. C'est très 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 dangereux là pour Pierre Gineur. Il est 32e place, il y a un souci. Il y a un souci pour lui et ça risque d'être une disqualification. Parce que là, ouais, c'est très dangereux. On ne le voit plus, on ne le voit plus du tout bouger. Ah, si, ça repart. Non, ça ne repart pas. Ouais, il a cassé le matériel. Il va falloir quitter là. Sinon, ça va être une grosse péna. Hein. C'est très dangereux, hein, très dangereux là en piste. Ah non, ça va, il repart. Et voilà, c'est reparti. C'est reparti pour Pierre Gilleur.
Et on reverra ça à la mi-course un petit peu ce qui s'était passé. Je me le note. Pierre Junior, on était autour. On voit pas le tour, on voit pas les lapes. Tour 4. Ouais, on va revoir ça un petit peu ce qui s'est passé. C'est dommage. C'est dommage pour lui qui était sur ses avant-postes hein, tout à l'heure. Vraiment géré plutôt bien. Une très belle qualification avec Real Gap. Et non, ça profite maintenant à Roland Savic. Duc qui parlait de tenir en 5e position. On le verra peut-être sur le podium. Un premier podium pour lui dans ses Open GT Series. Si je ne m'abuse. Mais bon, ne faisons pas de conclusion trop tôt dans la course. On a seulement effectué 10 minutes. On le disait, des erreurs, il peut y en avoir à tout moment. Attention aussi aux stratégies avec des arrêts qui ne sont pas obligatoires. Mais peut-être qu'il va falloir, je vous le disais, changer les gommes, remettre du carburant, changer les gommes. Attention quand même parce que on vous le disait, c'est un circuit qui est très agressif, mais ça peut être un petit peu mieux dans le sens où on a une température qui est un petit peu plus basse. On a 17 ambiants et 17 au niveau de la piste, donc c'est vrai que ça va moins être agressif sur le pneumatique et qu'il va moins surchauffer, moins s'user. Mais il faut quand même essayer de gérer cela et l'objectif c'est de ne pas faire d'arrêt à l'issue de cette course. Forcément, Ezekiel Morales de la RT 93. Il est ici, 46 millième par rapport à Dubois. Ça a beaucoup évolué forcément dans cette course. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité de vous montrer les places gagnées et perdues par les pilotes. Attention, un petit peu de poussière. C'est Benjamin Brion qui a été un petit peu trop d'attaque là sur. Sur ce virage. Et on est toujours avec Ezekiel Morales dans la caméra embarquée pour aller chercher Dubois. Et toujours pas la possibilité, malheureusement, pour lui. Et des gaps qui, mine de rien, commencent un petit peu à se créer. C'est vrai qu'on n'est plus dans des batailles très intenses. On reste pour certains sous la seconde, mais voilà, ça. Ça gère pour l'instant, c'est juste se suivre. On reste dans le même et le bon rythme. Alexandre Perroche, attention, lui qui était parti, qui s'était déancé depuis la voie des stands, est passé sur VRS Bobdu. Non, c'était confondu avec Duc Yotox qui nous fait un petit coucou. Eh bien, salut à toi, bienvenue. Sur ce direct. Et donc ouais, je sais pas trop là ce qui s'était passé, ce qu'on l'a pas vu hein, justement le pilote VRS Bobdu là et qui s'est fait passer donc par Alexandre Perroche, remonté depuis on peut le dire la 39e, 40e place jusqu'à la 25e pour l'instant. Se remonter. Il y avait Claude Alain d'Autremont aussi qui avait subi ce sort d'être dans la voie des stands. Et il est là en 30e position, le pilote de la 977. Hugo Olivier qui voit derrière lui Alexandre Perroche, ouais, qui revient. Il fait sa petite remontée. 25e place pour l'instant pour le pilote. Et Hugo Olivier donc de la SRE. Qui va devoir résister au volant de cette Aston Martin. On a les Aston et les Mercedes semblent plutôt bien se comporter sur ce tracé. Et Alexandre Perroche qui va se décaler à l'intérieur peut-être pour aller faire les freins. Et bien voilà, c'est fait, magnifique. Et il passe donc maintenant sur cette 24e position sur Hugo Olivier, magnifique pour le pilote Mathieu Van Riet. Avec la 19e place, il a derrière lui Amour de la RT 93. Pilote Ferrari. Et en parlant de Ferrari, j'allais dire, est-ce qu'on a les infos sur Filippo Calla? Et lui, il a fait une magnifique remontée, Filippo Calla. Il est en 9e position maintenant. Derrière Ezekiel Morales, Benjamin Brion et Aurélien Dubois, le petit groupe de, j'allais dire, 4 mais même 5 pilotes parce qu'il y a Ossio. Qui est là aussi, il y a Saf derrière, il y a du monde
il y a du monde, clairement. Et Philippe Poucala pour sa première course en Open GT Series. Ah, il est bien servi en termes de bataille, en termes de pression surtout. Pilote qui gère quand même la pression, hein, qui avait l'habitude de jouer, je vous disais, sur les avant-postes sur Gran Turismo dans les Open Series. Et qui là montre vraiment tout son talent. Il exprime son talent au volant de la macchina, la Ferrari, la voiture italienne. Et top 10 pour l'instant. En tout cas, au moins il y aura, j'allais dire, une Ferrari qui a fait un top 10 ce week-end. Il n'y en a eu qu'une, celle de Carlos. Il faudra aller au bout pour Filippo Cala, forcément. Anthony Lioda, quatrième place, qui lui était scellé, hein, derrière, voilà, gros gap avec Lucio, forcément. Hugo Giampietro, qui pourrait être rattrapable, à condition de tourner sur de gros rythmes. Pour l'instant, bah, du côté d'Anthony Lioda, on est à 4 dixièmes d'écart sur le tour précédent par rapport à Hugo Giampietro, donc c'est un petit peu moins top. On a Duc en deuxième place, un petit peu esselé. Yotox qui est là justement dans le chat, il me semble bien qu'il y avait une déconnexion pour lui. Je sais pas si tu es encore là, Yotox, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé tout à l'heure? Parce qu'on te voit là dans le chat et on t'a plus en piste. Donc il s'est passé quelque chose de très particulier. Ah, et là ils doivent prendre une partie de plaisir, hein, forcément, sur tous ces pilotes là. Bataille en plus pour le cinquième rang, hein, sur plus de 40 pilotes, enfin sur 40 pilotes au départ, pardon. C'est très bon exploit. Et donc on veut jouer ces grosses places, ces hautes places. Et forcément, on perd un petit peu de temps avec cette bataille. Et derrière, bah, et surtout devant, on crée de plus en plus le gap. Et derrière, on revient. Derrière, on revient avec un Steph Pasquier, un Anthony Kostinger, les pilotes de la Suisse RC qui pourraient revenir. Pasquier, toujours fidèle. La Lexus du pilote suisse. Il est là, 12e position. Et il va revenir sur Benjamin Orenz. Pour l'instant, pas d'arrêt, hein, pour les pilotes, en tout cas. Pour l'instant, on n'a vu personne rentrer de façon volontaire pour faire un arrêt, un changement de pneu, une remise de carburant. On est certes trop tôt au niveau de la course, c'est sûr. Mais en tout cas, comme je vous disais, à voir maintenant si les pilotes vont effectuer cet arrêt ou non. Hein. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous sentez que les pilotes vont aller jusqu'au bout sans repasser par la voie des stands, sachant qu'il n'y a donc, comme on l'a énoncé tout à l'heure, aucune obligation d'arrêt? Ou est-ce que du côté de ces pilotes, on va passer une fois par la voie des box, se ravitailler, reprendre de la fraîcheur en termes de pneus, reprendre du carburant. Et on s'élance à nouveau du Ponchel. 34e position pour lui avec Adrien Boissaubert qui est dans les box, le pilote de la Racing Force. Et c'est, je pense, un abandon. Et Pierre Gineur qui continue. Ça, on apprécie. On apprécie ce genre de geste. On a certaines personnes, comme je vous disais, qui nous ont quitté. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On en parlait. Peut-être des déconnexions. En tout cas, tant que ce n'est pas quitté par frustration, pas de souci. Mais ouais, du coup. Ah, et non, Gineur à nouveau. Ah, et non, Gineur à nouveau. Il va avoir un souci. Hein. Ah, et ouais. Il a un souci de matériel. Il a essayé de se relancer. Il a essayé de repartir. Mais ça ne va pas. Ça ne fonctionne pas. Et attention à Van Bosterhout qui atteint DT. Et peut-être déjà pour les limites de piste. Attention à ces limites de piste. Normalement, c'est vrai que c'est très tôt. Et Oxy qui nous dit Deco FBB, il ne peut pas. FFB, pardon. Force feedback. Il ne peut pas continuer. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est dommage. Je ne sais pas s'il a un direct drive ou autre. Mais dommage. Dommage pour le pilote. Des soucis techniques. Mais on apprécie justement cette volonté de vouloir aller au bout. Malheureusement, quand on ne peut plus, quand le matériel lui-même nous dit non, ça, c'est plutôt compliqué.
on espère le retrouver sur de prochains Open. En tout cas, c'est vrai qu'on a déjà vu pas mal de faits assez particuliers hein, depuis que l'on a commencé ces Open avec des incidents assez improbables. Avec, on en parlait des arrêts obligatoires alors qu'ils n'étaient normalement pas obligatoires, des volants qui se déconnectent, des voitures volantes. On en a déjà vu un paquet. Et Albator qui nous dit c'est normal que l'on ne peut pas refuel. Alors non, ce n'est pas normal, pas du tout normal, puisque ça a été autorisé. Donc non, pas normal du tout que le refuel est non autorisé là. Et comme on l'a évoqué, il y a un arrêt au stand. C'est tout. Enfin, il n'y a pas d'arrêt au stand obligatoire, mais c'est tout. Après le reste, on peut faire ce que l'on veut. Et ça a gardé le même paramètre la semaine passée sur la course en GT4. Donc ouais, ça n'avait pas été mentionné, ce problème de non-refuel par les pilotes, par la vingtaine de pilotes la semaine passée. Et sachant qu'on n'a rien bougé, c'est vrai que c'est assez particulier. On a Albator qui nous dit j'ai deux amis qui ne peuvent pas refuel, l'option n'est pas valide. Alors, je sais pas, non, mais si c'est deux pilotes, c'est pas un bug chez les pilotes. Hein. Ça doit être sur le serve. Ça doit être un souci de serveur. Alors, pourquoi on a configuré. Ouais, c'est le fa qui nous dit tu as fait retour au garage manuel ou arrivé au stand en roulant. Bizarre. Ouais, je trouve ça bizarre aussi. Hein. Je trouve ça bizarre aussi. On investiguera un petit peu. Je poserai la question aux pilotes, voir ce qui s'est passé, s'ils avaient. L'option décochée ou autre, si on peut voir ça, mais c'est particulier, en effet. Mais bon, nous on va rester focus sur cette course. Les pilotes qui, dans tous les cas, en ayant préparé leur stratégie en amont, s'ils veulent aller jusqu'au bout, ils peuvent pas spécialement remettre de carburant, essayer de gérer ça aussi. Et ce serait donc bizarre si ça arrive à tout le monde et donc tout le monde ne peut pas refuel qu'on terminera un truc la course avant une heure. Bon, on sait tenir une heure avec le plein. Hein. Après aussi, c'est vrai que certains véhicules n'ont pas le même réservoir en fonction du tracé. Chaque véhicule a un réservoir différent et le réservoir du véhicule en lui-même change en fonction du tracé. Ça c'est aussi particulier, c'est des compétences, non, des paramètres à évaluer, à prendre en compte. Donc particulier. N'hésitez pas, hein, ceux qui sont sur le direct, qui suivent des pilotes, à nous tenir au courant un petit peu de cette évolution là aussi. Qu'on puisse un petit peu voir et comprendre ce qui se passe. Oui, il y en a Gineur dans les box, mais lui c'était pour un souci. Et Adrien Boissard, lui il est dans les box aussi, mais. Peut-être souci, je pense, au niveau de. Oui, je pense pas que ce soit au niveau du refuel. Attention aussi à Tom. Oh là là, Tom Van Boosterhout qui est venu taper ici. Oh là là, et qui nous réaccélère plein de fois, qui perd un petit peu la voiture. Et le drive-thru, ça fait deux tours qu'il l'a. S'il ne rentre pas maintenant, il est disqualifié de la course. Ça, c'est pas nous qui gérons cela. Vous le savez, c'est. Le jeu, quand on a une pénalité de drive-thru ou de stop-and-go, si elle n'est pas réalisée en déant les 3 tours, attention à. Oui, attention. Oh là 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 là, que se passe-t-il pour Claude Alain d'Autremont? Ah, il est dans la voie des box, Claude Alain d'Autremont, que s'est-il passé? Est-ce qu'il a pas. Ah, il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté, malheureusement. Ah, on ne sait pas ce qui s'est, on ne sait pas ce qui s'est passé là. Ouais, pour le pilote qui semblait être à l'arrêt là sur la piste. Incident peut-être. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il s'est déconnecté là. Rodrigue Castard en 17ème position derrière lui. Un petit groupe aussi avec Yves Zoma, Julien Dumont, Zénon et Alexandre Perroche lui qui est un petit peu plus loin. Julien Brongo avec la 14ème place pour le pilote de la PWD. Avec cette 12ème place. Et il y a Saf. Il vient de passer Saf ici, Benjamin Orens. Et attention devant à Filippo Cala qui tente
sur Steph Pasquier. Attention, hein, Steph Pasquier va pas se laisser passer si facilement. Pilote très expérimenté dans cette course en compétition. Et attention à Benjamin. Oh, attention! Attention, que s'est-il passé? On a vu quelques paires de. Oh, c'est Steph Pasquier. C'est Steph Pasquier. Qui s'est loupé. Non, il revient sur le. Oui, il est devant. Il est devant Filippo Cala. Donc c'est bon. Il ne comprend pas pourquoi il est descendu en 16e position. Ça va se remettre à jour, peut-être. Oui, il redescend. Il redescend comme s'il était à un tour. Ouais, comme si son tour n'a pas été validé. Mais c'est incroyable là, ce qui se passe ce soir. On ne peut pas refuel des tours qui ne sont pas validés. Ouais, regardez, c'est Pasquier qui redescend. Et regardez, 24e. Comme si son tour, cette boucle de circuit, n'avait pas été faite. Alors on espère que c'est un bug d'affichage. Auquel cas, Pasquier aurait fait un tour pour rien. Ce qui est assez farfelu. Alors que l'on approche à la mi-course. Mi-course pour le pilote. Drive-through pour Mathieu Van Riet. Malheureusement, ah oui, pour le pilote, les limites de piste déjà qui font défaut. Et donc on écope d'un drive-through. Arnaud Pérez, la 15e place pour lui. Assez seul. Malheureusement, pas de bataille. On a Alexis Gavinet de la Team Bunkers avec la 14e position, 7-10e par rapport à Julien Branco de la Team PWD. On a la Team PWD qui pouvait aller chercher la victoire ce soir. C'est dommage avec cet incident du côté de Pierre, incident matériel qu'il a vécu et qui a malheureusement écourté sa course. Lui qui gérait plutôt bien. Et ici, on va revoir, oui, Filippo Cala. Et maintenant, devant lui, est-ce qu'il y a toujours le pilote de la Suisse RC? Eh bien non. Ouais, non, c'est Morels. Et donc, oui, on a vu une chute dans le classement pour Steph Pasquier qui est maintenant sur le bord de la route. Il est même carrément là dans les gradins. Ouais, il est en plein milieu de la route dans les gradins. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et il est en régime moteur maximal. Donc, gros bug là. Pour le pilote de la Suisse RC. Là non plus, je ne sais pas trop ce qui se passe. Je vous le disais, il est descendu dans le classement. Et Oxy nous dit déco, ouais, déconnexion de la part du pilote, souci de connexion en effet. Donc son tour qui n'a pas été validé. Et là, il se retrouve en plein milieu de la piste. Et on va se retrouver plus qu'à 34 pilotes. C'est un petit peu. Voilà, l'élimination, mode éliminator au fur et à mesure. Ça, c'est le mode éliminateur, c'est quelque chose que l'on avait en tête, à l'idée, quand on avait lancé un petit programme. Oui, Battle Royale nous dit Oxy, mais en effet, clairement, c'est assez particulier là ce qui se passe. Mais on avait lancé un projet de Rival Contest. On roulait avec nos pilotes sur Assetto Corsa Competition sous forme de mini-jeux, course sprint, course éliminatoire. Non, c'était plutôt sympa. On avait fait ça fut un temps. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu cela, en mode éliminatoire, où le pilote qui est dernier se fait éliminer là. Ah, c'est des modes qui s'adaptent peut-être un petit peu plus à des jeux plus arcades, comme Gran Turismo par exemple. C'est vrai qu'on pourrait peut-être réaliser ça sur Gran Turismo. Anthony Lioda, là, 4e place pour le pilote. Et bien remonté aussi, hein, là, avec maintenant une attaque sur Hugo Giampietro, là où tout à l'heure il était un petit peu à plus de 2 secondes. Ouais, et un petit peu en recherche de rythme. Je vous l'avais dit, il était sur le dernier tour à 4 dixièmes de plus que Hugo Giampietro. Ça ne se passait pas très bien pour lui. Et ici, pour l'instant, bah, il remonte sur Hugo Giampietro. Moins d'une seconde maintenant. Essayez de mettre la pression. Alors qu'Hugo, en plus, revient sur Duke Savic. Très grosse course de Ronan Savic.
pilote qui fait ses débuts dans les Open GT Series. En tout cas, première fois pour lui sur les Open GT Series, mais clairement pas la première fois sur Assetto Corsa Competizione. Et au vu de sa performance actuellement, alors on espère aussi qu'il ne sera pas victime du souci de refuel si jamais il comptait passer par la voie des stands et remettre du carburant. Avec Duc ici, deuxième position pour lui, il doit essayer de tenir. Il avait son objectif de top 5. Il y a Yotox qui nous dit allez Ronan. Roland Savic, il vient, il soutient le pilote. Yotox, du coup, pour revenir un petit peu avec toi, qu'est-ce que s'est-il passé tout à l'heure en course? Justement, on t'a vu en déconnexion. Est-ce que c'est un souci de connexion, un bug serveur, un gros incident? N'hésite pas à nous donner de plus amples informations qu'on puisse. Un petit peu se projeter, comme qui dirait, sur ce qui s'est passé. Voilà, on a passé la demi-heure de course. Il va rester une demi-heure. Alexandre Perroche avec Zenon derrière. Et Yves Zoma, attention, grosse bataille. On revient un petit peu sur une magnifique bataille ici avec Zenon qui essaye de passer à l'intérieur. Le pilote de la Porsche va-t-il tenir? La Mercedes d'Alexandre Perroche. Et ça rentre pour Orens. Et ça rentre pour Saf dans la voie des stands. Et côte à côte, hein, côte à côte. Ici avec... Alexandre Perroche et Zenon qui est passé. Zenon, magnifique dépassement. Et attention, peut-être, non, on ne parvient pas à résister pour Alexandre Perroche. Et on a Yotox qui me dit sur les, j'arrive trop vite sur Pierre pour l'éviter, j'ai dû mettre un coup de frein et paf, je la perds. Ah, et bien voilà, comme ça on a l'information. Merci beaucoup pour ce retour. Et donc rentrer au box de Orens et de Saf, hein. Rentrer au box des deux pilotes. Qui retombe là, 22e, 21e, et qui attendent dans la voie des stands. Hein. Je sais pas très bien ce qui s'est passé pour eux. S'ils vont pouvoir repartir ou pas. Oui, voilà, on va repartir pour Saf. On a vu la voiture se remettre. Et il est temps maintenant de se relancer, non? Ouais, non, ça ne repart pas avec Rodrigue Castar. Ah, et Steph Pasquier, voilà, on a eu l'info qui nous disait déconnexion pour moi, bonne fin de course. Ah, et oui, la déconnexion, c'est vrai, on en avait parlé. Très, très, très belle course jusqu'à présent du pilote. Et derrière, malheureusement, cette déconnexion. Ça, c'est dommage. Ça, c'est clairement, clairement dommage. On a ouais, Ronan Savic qui est soutenu ici. Est-ce que Ronan se situe dans la team des Honkers? À voir. On a Yotox qui nous dit Duc Hugo, let's go. Ouais, ils sont P2, P3. Et Anthony Lioda qui a reperdu. Ouais, il est à plus de 2 secondes maintenant. Avec cette 5ème place pour la team des Honkers. Et Yves Zoma dans la voie des stands maintenant. Le pilote de l'Audi R8. Avec Saf et Benjamin Orens. Benjamin Orens qui nous a quittés. Et Saf qui est toujours dans la voie des stands. Qui essaye de se relancer. Ça ne parvient pas. C'est pas très bien ce qui se passe. Hein. Pas très bien ce qui se passe ce soir. Comme je vous le disais, c'est. Voilà. Au fur et à mesure, les pilotes qui nous quittent pour souci de connexion, pour autre. Ah, Steph Passier, ouais, toujours souci de connexion. Ça, c'est vrai, on l'avait dit pour le pilote Benjamin Duff. Qui est là, avec la 30ème place. Benjamin Duff, le pilote français. Et Yves Zoma qui chute dans le classement. Claude Alain Dautremont, ouais, qui nous a quitté et qui parlait d'un incident avec Yves Zoma. Peut-être la raison aussi pour laquelle le pilote nous a quitté. Et Razmo nous dit c'est Benjamin Orens obligé de quitter, on ne peut pas refuel. Ouais, donc c'était peut-être ces pilotes là qui avaient eu le problème de refueling. Comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le chat. Mais assez bizarre ce soir.
croire que les démons sont sortis avec des bugs volants, des pilotes qui sont en plein milieu de la piste. Je parle du pilote de la Lexus, hein, de la Suisse RC, Pasquier notamment, qui lui est dans les gradins. Pas mal de déconnexions pour les pilotes aussi. On l'avait vu tout à l'heure, donc ouais. Est-ce que ça, je pense pas que ça engendre un bug sur le serveur en soi, hein, mais il y a peut-être eu pas mal de choses à voir, à revoir. On en discutera, comme je vous le disais, avec les pilotes. Mais laissons la course se faire jusqu'à présent avec les derniers survivants de cette très grosse bataille sur Silverstone, avec cette course de nuit, bien évidemment. Ronan Savic qui lui gère très bien cette course, avec 9 secondes d'avance par rapport au poursuivant Hugo Giampietro, qui revient sur Duc. Il est en troisième position aussi, Hugo Giampietro. Voilà. Et on a Saf qui nous dit bonsoir, impossible de remettre du carburant. Ah, et pourtant, comme on l'a dit, on n'avait pas d'arrêt au stand obligatoire, mais les arrêts étaient possibles. Donc on ne comprend pas pourquoi les pilotes ne parviennent pas à remettre du carburant. Et du coup, ouais, est-ce que c'est la raison aussi pour laquelle on a eu pas mal de pilotes qui nous ont quittés ici. On a démarré à 40 tout à l'heure, je vous le disais, on est plus qu'une trentaine à peine. Ouais, Steph Pasquier, oui, qui ne comptera plus, hein, puisque comme vous le disiez, il est carrément parti faire coucou à ses supporters dans les gradins. Et Boucard de la Valky, ouais, qui remonte. Et donc on a ouais, plus que 27 points sur les 40 lancés. Gros souci. Là-dessus, Costinger, attention, il revient sur Filippo Calla au volant de cette Ferrari. Très belle 8ème place, hein, pour sa première participation. Et Razmo qui nous dit on est d'accord. D'accord, mais par rapport à quoi, Razmo? Par rapport au souci de refuel peut-être. Et Costinger, donc avec cette 9ème place, qui va essayer d'attaquer. Il y a Sylvain Leclerc aussi qui a eu un souci de connexion qu'on ne revoit plus là sur le classement. Décidément, comme je vous disais. Et attention à Costinger, l'attaque pour le pilote de la Suisse RC. Oh, il est parti large sur ce premier virage. Attention. Et attention aux pénalités, hein, en coupant les limites de piste. On a déjà vu certains pilotes avec des drive-thru. Il essaie de bien garder la corde, voilà, bien ressortir, rester dans l'aspiration de cette Ferrari. Filippo Calla qui s'est décalé sur la gauche pour ne pas laisser l'aspiration. Et ça ne marchera pas. Bon retour de la Mercedes, très gros moteur, et qui ne pourra pas attaquer sur cette phase et zone de freinage, et qui repart à nouveau large, comme on vous le disait. Attention à ses limites de piste, Costinger. Oh, il a tenté quelque chose, une manœuvre d'intimidation pour le pilote de la Mercedes, mais il ne parviendra pas à passer. Et Hugo Giampietro petit à petit qui revient sur Duc, qui cède légèrement à la pression. Hugo Giampietro, ah, c'est Anthony Lyoda par contre, non, cette fois qui revient. Il y a eu une erreur d'Hugo Giampietro et la Mercedes d'Anthony Lyoda qui revient. Et Razmo qui nous dit il y a eu un problème avec le serve, pas mal ont quitté à mi-course, c'est parce qu'ils n'ont plus d'essence. Ok, donc problème avec le serveur, on note, merci de nous faire votre retour avec ça. Décidément, on a changé de serveur pourtant, parce qu'on avait eu des problèmes avec ces soucis de stand. Et là, on a refait, et on y en a discuté avec les pilotes en briefing. On a mentionné les paramètres par rapport au stand pour revérifier avec eux. Et ils étaient correctement entrés, donc voilà, décidément. Ces Open GT Series sur ces dernières semaines auront été victimes de soucis de stand, et cela nous suit bien sûr, mais ça ne nous empêche pas de garder du spectacle comme on l'a maintenant encore dans ces 20 dernières minutes de course. La 4e du Giampietro, une bataille pour cette 3e position. Est-ce que la Suisse RC va pouvoir monter sur ce podium? Roland Savic, il est plutôt en détente.
vois pas trop ce qui pourrait lui arriver, à moins d'une panne d'essence comme ça a été évoqué, puisqu'on ne peut pas refuel d'ailleurs ce soir. C'est pas fini. Et Duc sur la deuxième position ici. Vous voyez, esselé, puisque Gojampietro. Oui, non, pas spécialement, non, Hugo Giampietro est derrière. Mais on pensait que l'écart était plus grand, non, il est que de 2 secondes. Et donc il doit faire attention, hein, Duc. Il doit faire attention aussi, comme on en parlait, cet objectif pour lui de garder un top 5. Pour l'instant, il l'a. Tony Kostinger avec Philippe Ocala, toujours cette bataille. Benjamin Brignon, pardon, qui revient. Lui aussi, top 10 pour le pilote. On a Amour. Derrière Rodrigue Castard, la bataille Porsche contre Ferrari. Il est là, le pilote de la 488 GT3. Magnifique voiture version Evo aussi, bien évidemment, pour cette Ferrari là. Il est à 3 dixièmes de Rodrigue Castard. On a plus trop maintenant, comme je vous le disais, voilà, les pilotes ont fait leur trou, ont fait leur rythme maintenant. Plus spécialement de bataille, ça se joue à quelques endroits, mais il faut garder le focus et surtout rester dans son rythme, ne rien relâcher, garder le mental, puisque derrière il peut encore se passer des choses, il peut avoir des soucis, des déconnexions ou autres. Voilà, une course, ça se joue du début à la fin, et jamais vraiment vainqueur ou assuré de sa position tant que l'on n'a pas passé la ligne d'arrivée et le drapeau à damier. Donc on va peut-être aussi un petit peu évoquer les... Attention, là, avec les drapeaux bleus. Voilà, on laisse passer, magnifique. Mais donc, on va potentiellement évoquer aussi les positions, là, avec position actuelle et les positions de départ, pour voir un petit peu les évolutions, clairement, de ce qui s'est passé. Avec Roland Savic sur cette première place, qui lui est parti depuis le sixième rang. On a Duc parti cinquième, qui lui se retrouve deuxième maintenant. Hugo Giampietro de la huitième place, il monte sur cette troisième position. Anthony Loda qui était parti de la treizième place. C'est l'équipe Kostinger et Pasquier. Il se retrouve là sur cette quatrième position, magnifique ce qui a été proposé ici. On a Lyoda et Giampietro toujours en bataille ici. On nous dit bataille P5, P6, ouais, bataille P3, P4 aussi. C'est bataille un petit peu partout, avec Anthony Ussio qui est là et qui lui était parti de la 11e place. On retrouve 5e, Aurélien Dubois de la 14e, on le voit monter 6, Morels qui est 7 actuellement, était 15. Philippe Ocala qui est 8e et qui lui était au-delà du top 20. Hein, c'est vous dire. On a Kostinger qui lui a pris qu'une place. Et Benjamin Brignon sur le top 10. Ici le pilote de l'OSR qui était parti aussi hors du top 20. Voilà un petit peu pour ces quelques informations avec Anthony Ussio, Aurélien Dubois, attention devant. Ouais, Lyoda qui a perdu le contact par rapport à Hugo Giampietro. Ah, Hugo Giampietro qui devait zigzaguer ici entre les retardataires qui ont choisi la droite, la gauche. Et donc Hugo Giampietro maintenant qui a remis 2 secondes 3 par rapport à Anthony Lyoda. Ouais, comme quoi une erreur elle se coûte très cher, elle se paye cash. Et ça a été le cas ici. Attention, la bataille 100% britannique, 100% Aston Martin entre Aurélien Dubois et Ussio. Avec 3 dixièmes d'écart là entre les deux hommes. On va rentrer dans ces 15 dernières minutes de course. Il va donc falloir être efficace si on veut pouvoir monter sur ce top 5. Et du côté de Lyoda, je vous le disais, dommage pour lui, le podium qui ne pourra peut-être pas être cherché là pour Lyoda. On a Benjamin Brignon avec sa 10e place aussi, qui se retrouve avec Anthony Kostinger devant lui, très très proche.
Là, Kostinger à 5 dixièmes de Philippe Ocala. Ben, vous le voyez, hein, tous ces pilotes, il faut passer les retardataires. C'est ça aussi qui va faire bouger un petit peu la hiérarchie, clairement. Qui va faire évoluer les choses. Ah, et là, et on fait les appels de phare. On fait les appels de phare pour Kostinger. Et il voit Benjamin Brion revenir derrière et Philippe Ocala devant s'écarter. Alors que Gavinet et Bronco sont en bataille aussi. Attention à Gavinet qui va tenter de passer à l'intérieur pour le pilote de la Honkers. Et non, et il a mis la pression sur Bronco. Mais oui, sur ce freinage, il a perdu l'arrière. Et c'est passé. Et c'est passé pour Gavinet. Magnifique, Alexis Gavinet qui a su mettre la pression au bon moment. Et il a craqué Julien Bronco. Il a craqué et ça passe pour Gavinet. Magnifique. Et attention Anthony Kostinger et Benjamin Brion hein, derrière lui. Les deux Mercedes qui rentrent dans ce dernier quart d'heure respectivement en 9e et 10e position. Attention, là on l'a vu. Ah oui, un Kostinger, il doit essayer de tenir ce tour précédent là. Ce qui s'était passé pour lui. Et c'est Alpha qui dit bien vu. Et Toxic dit Gavinet en zone. Qui est on fire. Magnifique hein, ce qui a été proposé là pour Gavinet. Le dépassement. C'est ça aussi, c'est l'intelligence de jeu, c'est savoir mettre la pression au moment où il faut mettre la pression, pouvoir aussi jouer un petit peu tout ça. Vous voyez hein, ces échappements d'une rougeur magnifique, magnifique en tout cas ces images. Sur cette McLaren 720S. Mais donc oui c'est ça, c'est pouvoir mettre la pression justement. Un dépassement il va se faire aussi de par le fait que il peut se faire aussi de par le fait que le pilote devant se loupe. C'est beaucoup plus simple parce qu'on va se mettre bien moins la pression. La porte va s'ouvrir et pour ça il faut rester derrière, pouvoir se décaler un petit peu, se montrer dans les rétros. Le pilote ne regardera plus spécialement devant, va regarder derrière dans les rétroviseurs, va avoir un poil de pression et au bout d'un moment il n'aura plus la concentration requise et peut se louper. Alors les très 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 grands pilotes là ça arrive très peu, mais ici ça peut se passer. On a de très très bons pilotes aussi, mais voilà, il y a certains qui peuvent se faire avoir. On est surtout en soirée, la fatigue après une journée de travail aussi, forcément on arrive sur cette fin de course. Si on a été mis sous pression sur quasiment la totalité, ça peut coûter cher aussi. Attention maintenant à Rodrigue Castard avec amour. Il tient l'intérieur, le pilote de la Ferrari. Est-ce que la Porsche passera à l'extérieur? Eh bien non, il reste pour l'instant derrière. Ça ne se passe pas bien pour lui. Et il reste derrière pour l'instant Castard. Magnifique. Et attention à Amour pour l'instant qui a toujours la pression de la Porsche derrière lui. Il doit tenir, il doit faire attention et voilà, il s'est loupé Castard. Donc on peut souffler un petit peu maintenant pour le pilote de la RT 93, la RT 93. Yoda ici, toujours à 2 secondes. Hugo Giampietro qui a reperdu aussi par rapport à Duke Duke. Très solide, hein, très solide la course de Duke Duke. Très solide aussi du côté de Savic, forcément. Mais d'une très grande solidité. On aura l'occasion de parler de tout ça avec lui. On approche hein, cette fin de course imminente. Avec Maxime Bourcard qui va pouvoir aller au bout de la course ce soir. Brad Rebourts, c'est vrai que Rebourts, pardon, que l'on avait qu'on n'avait plus trop vu depuis tout à l'heure, qui est là, qui est bien présent. Pilote qui roule aussi sur les Open Series de Gran Turismo 7, qui a été chercher le podium la semaine passée sur l'épreuve Gran Turismo. Ici, ça va être un petit peu plus compliqué, hein, puisqu'on se retrouve sur cette 24e position. Voilà. En difficulté malheureusement ici pour lui. Olivier de la SRE avec une 19e place pour lui. Top 20 pour Martin. Victorio Martin qui lui aussi était pilote sur les Open Series. Beaucoup pilote Gran Turismo, je le remarque, hein, qui décale des Open Series pour se retrouver sur PC, sur Assetto Corsa Competizione, dans nos Open GT Series.
ce décalage un petit peu et de plus en plus de monde qui nous rejoignent dans les Open GT Series. Voilà, on est de plus en plus nombreux sur les courses. Rappel aussi, on a déjà fait une course. Plus de 50 pilotes sur Spa-Francorchamps. C'est vrai que c'était une première. On a ouvert le salon à autant de pilotes. Et il y a eu un respect, un très beau respect des consignes, très beau respect des pilotes. Ça s'était extrêmement bien passé. Et depuis, quand on voit des inscriptions à nombre bien plus élevé, on ouvre un peu les salons. Si la piste le permet, bien sûr, on va pas rouler à 60 sur Zolder. Mais par exemple, ce soir, ça aurait permis de rouler à 50. C'était ce qui était initialement prévu. Mais on s'est retrouvé avec des petits désistements, des choses qui arrivent. On s'est retrouvé sur 40 pilotes. Mais rien de bien grave, bien sûr. On vous le dit, c'est un open, c'est ouvert à tous. On essaye de faire participer un maximum de monde dans la mesure du possible. C'est vrai qu'on s'excuse pour ceux qui voulaient récupérer les places en dernière minute. Mais c'est vrai qu'à 5 minutes de la course, c'est très compliqué de pouvoir gérer cela. Avec Saucisse qui est présent et qui nous dit bonsoir. Et bien bonsoir à toi, bienvenue sur ce direct pour la fin de cette course. Et plaisir de t'avoir au sein de ce chat. J'espère que tu vas bien. Plaisir, comme je le disais, de t'avoir ce soir. Ça fait longtemps. Philippe Ocala qui est là, 8ème place toujours. Et tiens, Philippe Ocala avec un Postinger derrière qui essaye de revenir mais ne parvient pas à se lancer. Et voilà, on met la tête qui tourne là dans le chat ici sur Twitch. Et donc ouais, Costinger il doit pouvoir aller le chercher avec l'expérience. Il attend peut-être. Drapeau jaune. Oh là, drapeau jaune sur la piste. Où est-ce que cela se situe? Aïe 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 aïe. Et on a un pilote ouais, c'est sur cette zone là. On ne sait pas très bien voir qui est sous le drapeau, qui est sous le drapeau jaune. Et on n'a pas l'info. Ah, il est repassé par la voie des stands. On a Tom Van Bosterhout qui n'est plus là non plus. Qui lui a dû, à mon avis, être victime du drive-thru qu'il n'a pas résorbé. Zoma. C'est Yves Zoma qui est dans les box tout à l'heure, lui. Zenon, ah, c'est Zenon peut-être. Ouais, qui est dans les box. Zenon qui est dans la voie des box. C'est terminé pour lui. C'est pas très bien ce qui s'est passé. Et oh là là! Oh là là, des drapeaux jaunes encore! Des drapeaux jaunes encore ici. Que se passe-t-il? Des voitures sur le bord de piste qui voilà, reviennent. Ah, il y a eu une grosse erreur, c'est dommage. On ne sait pas très bien voir. On ne parvient pas à voir l'information de qui c'était. Est-ce qu'on peut peut-être oui, avoir la track map? Oui, voilà, c'est ça, magnifique. Et c'est la numéro 23 qui s'était loupée. La numéro 23. On va essayer de retrouver cette voiture. Ouais, je ne parviens pas à mettre la main dessus. Si c'est Johan Lahai qui s'était loupé, le pilote de la LMR, et qui va rentrer dans les stands. On a Virtuel et Real Racing qui nous dit salut tout le monde. Et même pas une GTR sur la piste, c'est abusé. Non mais cette GTR, on ne la voit plus trop. Hein. Le seul pilote qui continuait avec la GTR, c'était Yves Zoma, si je ne m'abuse, et qui a troqué cela pour une Audi. Donc vraiment, on n'en verra, je pense, plus du tout de Nissan GTR, sauf si on a une version Evo, une version retravaillée pour les mois, les années à revenir. C'est moi, pas Yves Zoma. Alors j'ai dû me tromper. Mais oui, c'est parce que tu as noté Virtuel et Real Racing. J'ai confondu avec les noms. Mais est-ce que tu peux me donner ton vrai pseudo du coup? Parce que c'est vrai que j'ai un trou de mémoire. En effet, c'est pas Yves Zoma. Oh là 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 là, tu vas me donner ton nom, je vais retomber dessus. Et je vais dire, ah ben oui, c'est vrai, en effet. Aurélien Dubois, toujours derrière Ossio, à 6ème. Jean-Smith Kennett, mais voilà, Jean-Smith Kennett, bien sûr.
Et oui, en effet, tu seras là samedi à Exype pour les GT Series Tournament avec la deuxième édition du format court des GT Series Tournament qui a été refondée. Tu étais déjà là pour la version longue, la très grande version des GT Series Tournament. Oh, oh là là, devant, attention, Benjamin Brion. C'est Benjamin Brion qui s'est loupé et qui va laisser une place supplémentaire à Gavinet. Et bien voilà pour le pilote de l'Aston Martin dans cette fin de course. Mais en effet, comme je l'évoquais, Jean-Smith Kenneth, toi tu avais été présent sur les premiers GT Series Tournament, c'était le format long. Et puis il y a une refonte avec des formats plus courts et tu seras là pour la course sur Monza ce samedi. Et on aura l'occasion de la vivre, comme c'était le cas le mois précédent, sur cette chaîne Twitch. Le mois précédent, c'était sur Zolder. Et ici, on va accueillir deux groupes de 12 pilotes sur le tracé de Monza, un événement qui se déroulera pour les pilotes en tout cas à l'exclusivité sur place, mais on vous retransmettra cela en direct sur cette chaîne Twitch avec les interviews des pilotes sur place. On essaiera peut-être de vous donner quelques images aussi un petit peu de la salle, on agencera tout cela. Bien sûr, on essaiera de pousser un petit peu plus les caméras facecam sur les simus. Voilà, on complétera un petit peu tout le lot, bien évidemment. Mais c'était une soirée qui s'est excellemment bien passée le mois précédent. Et on est content de pouvoir réitérer cela, bien sûr. Et il y a déjà les inscriptions pour la suivante, non pas dans ce mois de mars, mais dans le mois d'avril. Avec le tracé du Nürburgring. Voilà, ce sera le tracé du Nürburgring pour les prochains GT Series Tournament. Mais en tout cas, déjà, concentrons-nous sur ceux de ce samedi. Et on vous attend nombreux sur cette chaîne, bien évidemment. On espère pouvoir passer la barre des 600 followers à l'issue de ce direct de samedi. On avait passé la barre des 500 lors du direct le mois passé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous et faire péter cette barre des followers, bien évidemment. Merci en tout cas d'être toujours là et présent pour suivre ces directs, suivre ces courses. Voilà, je vais y arriver. On va donner les bons mots, on va articuler. Selfa qui dit push, push, push. Et oui, on arrive dans cette fin de course, moins de 4 minutes et 2 tours restants pour les pilotes. C'est Rodan Savic qui donnera le gong, il est dans cet avant-dernier tour de course, le pilote de la Mercedes. Et attention à Hugo Giampietro qui revient sur Duke Duke dans cette fin de course. Ah là là, Duke Duke qui tenait la P2 depuis tout à l'heure et qui là risque peut-être de la perdre face au pilote de la Vroom. Et il va rester 2 boucles de plus de 5,8 km. Et il va falloir tenir. Ça risque de pas spécialement être si simple. Lui qui, Duke n'a pas vécu de grosse pression depuis tout à l'heure. Ça va lui faire bizarre, surtout en fin de course, avec une légère fatigue musculaire et mentale. Ah, et quand on est chassé comme ça, c'est beaucoup plus compliqué, hein. C'est mieux quand on est chasseur. Et Yotox dans tous ses états, dans le chat, forcément. Avec cette fin de course. Ah, y a Dubois aussi qui pourrait revenir sur Rousseau de la team Honkers. Rousseau qui tient depuis tout à l'heure Aurélien Dubois. C'est quand même très fort, hein, ce qu'il parvient à faire là-dessus. N'a pas lâché. Ah, les deux qui restent en plus dans les mêmes chronos au dixième près. Donc c'est très fort. Et ils vont rentrer là dans leur avant-dernier tour. Et le Jumbo 3 au 8e maintenant. Ça ne diminue plus trop. On ne parvient pas à revenir à faire le contact du côté des pilotes. Et on va rentrer avec Savic dans le dernier tour. Vous allez l'entendre, leader on the final lap, au passage de la ligne. Et ce sera donc le dernier tour, la dernière boucle de cette course ce soir, qui aura été passionnante et pleine de rebondissement. Et ça, on aura l'occasion d'en discuter avec les pilotes, forcément évoquer avec eux tout ce qui s'est passé. Auric aussi est d'ailleurs dans tous ses états pour cette dernière boucle. Et bien voilà, le leader est dans le dernier tour de course avec Hugo Giampietro qui est venu manger la limite de piste. Attention, il se dit, voilà, j'essaye de couper un petit peu, quitte à prendre un avertissement. Moi, de mon côté, j'écorde la marge et donc je tente.
Bah, il joue avec les limites. Il joue avec les limites. Hein, voilà. Et là, il a essayé de revenir. 3 dixièmes. La bataille pour la deuxième position. Est-ce que Duke va pouvoir tenir dans ces 5,8 derniers kilomètres? Ou est-ce que ce sera Hugo Giampietro qui passera devant l'Aston ou la Porsche? Faites vos jeux dans le chat. Faites vos jeux pour cette fin de course. Ça risque d'être très extrême dans ce dernier chrono, dans ce dernier tour. Aurélien Dubois qui revient sur Ussio aussi. On a levé le pied du côté d'Anthony Lyoda pour garder une potentielle quatrième place. On ne pourra pas aller au-dessus. René qui dit Porsche, Duke de Porsche. Maxime qui dit allez la Porsche. Eh bien voilà, vous faites vos jeux, vous soutenez. Yotox qui dit d'ailleurs un petit cœur là quand on parlait de Duke. Allez, Duke qui doit pousser là s'il veut aller chercher cette deuxième position, s'il veut tenir cette deuxième position surtout. Attention à Hugo Giampietro là qui prend une trajectoire un petit peu plus différente pour venir replonger. Il est au contact et Ronan Savic qui va bientôt passer la ligne. Mais on va rester avec Duke et Hugo Giampietro sur la réaccélération. Oh là là, ça peut être bon l'aspiration maintenant pour Hugo Giampietro. Va-t-il pouvoir se décaler? Il doit défendre l'ultime défense de Duke pour tenir sa position alors que Ronan Savic est passé là, il va passer la ligne. Ronan Savic, la victoire du pilote, mais on va rester peut-être encore un petit peu avec Duke. Et voilà, Ronan Savic qui passe la ligne. La victoire du pilote français pour sa première participation. Et Duke qui va aller chercher son premier podium dans ses Open GT Series. La deuxième place pour le pilote de la Aston Martin avec Hugo Giampietro, troisième. Et voilà, vous avez le soutien. Il y a le soutien dans le chat aussi avec Lyoda, quatrième place, cinquième pour Anthony Ussio et la team Yonker. Aurélien Dubois qui finit très proche à 7 dixième avec Ezekiel Morels, pardon, 7e place. Philippe Ocala juste derrière en 8e position. Voilà pour Morels, voilà pour Philippe Ocala avec Victorio Martins qui est là. Il y en a Kostinger, Anthony Kostinger sur la 9e place, Benjamin Brion 10e, 11e pour Branco, 12e pour Perez, 13e pour Gavinet. Ah, qui a reperdu un petit peu, il me semble. Mais on retrouve la 13, 14 pour Castar, 15 pour Amour, 16 pour Perroche. Magnifique, hein, magnifique de la part des pilotes. On va hop là enregistrer le replay. Toujours intéressant. Voilà, merci. On sauvegarde. Et nous, on va pouvoir marquer donc une pause. Hein. On va pouvoir marquer une pause et retrouver les pilotes en interview. Et ouais, vous étiez là avec hype, hein, DGG, AEGG aux pilotes, bien évidemment. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est pas encore fini, puisqu'on va avoir la discussion avec les pilotes en interview. On marque donc une petite pause et on se retrouve avec eux dans quelques instants. A tout de suite.
Eh bien, nous voici en interview, l'interview d'après-course sur ce tracé de Silverstone de nuit, conditions de visibilité assez particulières. Course aussi particulière avec les différents soucis serveurs, les problèmes avec les refuels et autres qui n'ont pas posé problème à nos pilotes des avant-postes. Et on va discuter un petit peu avec vous justement après cette course. Et on va commencer avec toi, Hugo. Troisième position, belle remontée dans la hiérarchie. Des pilotes devant toi qui ont eu des soucis, qui ont eu des déconnexions. Tu étais parti de la 8e place pour terminer 3e. C'était très chaud aussi sur la fin avec ce retour sur Duke. Tu avais aussi derrière Anthony qui revenait un petit peu à certains moments. Comment on a géré cette course et d'une part la défense et à la fin l'attaque? Ouais, c'était compliqué. J'ai P2 du coup hein, parce que franchement avec gros rythme aussi devant. Merci. Et ouais, bah j'ai profité je pense un peu avec Duke aussi d'un accrochage qu'il y a eu dans la chicane là, début 3ème secteur je crois. Et on est passé, au final j'étais devant Duc, hein, je la perds un peu dans ce taux, du coup Duc repasse et après ouais j'ai géré les pneus en fait parce que en entraînement, vu comme je te disais, il a rouge, j'ai changé de setup et du coup, enfin de volant, et du coup en entraînement je brûlais les pneus en 3 quarts d'heure. Donc j'ai essayé de gérer le truc au maximum et sur la fin les avant ils commençaient un peu à dire non, mais bon après la remontée sur le Duc, après on se connaît bien avec du Duc donc on savait qu'aucun de nous ferait une dinguerie, c'était cool. Et après en tour derrière, ouais, qui de temps en temps poussait bien, ça va, j'ai réussi à pas trop regarder dans les rétros, histoire de pas trop mettre la pression tout seul. Mais c'était cool, c'était une bonne course, je suis content, bonne course. Ouais, très 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 belle course en tout cas, c'était magnifique ce que t'as proposé ce soir, belle troisième position en tout cas, très beau résultat. Merci. On va passer avec toi, Duc, si je ne m'abuse, premier podium dans le cadre des Open GT Series. Tu évoquais dans le chat du direct de garder un top 5, c'est bien mieux que ça. On monte sur le podium ce soir avec une course plutôt tranquille sur son quasi entièreté. Mais derrière, quand même, pas mal de pression avec Hugo. Comment on a réagi à cela? Salut tout le monde. Ouais, non, mais une course pas si tranquille que ça. Hein. Tu sais, on n'est jamais tranquille. Hein. Il y a toujours de la pression quelque part, hein, même si tu fais une course seule. Parce que Hugo, moi je pense qu'il était un peu plus rapide que moi. Et je pense qu'il faisait aussi un petit peu plus de petites erreurs que moi, il en a fait plusieurs. Et j'étais plus rapide dans certains secteurs, notamment le premier là, premier virage, je pense que je mettais un bon vent là, j'aimais bien le revoir repartir, je voyais plus ses feux là. J'aimais bien ça. Mais ouais, on a bénéficié aussi du carton. Je sais pas trop ce qu'il y a eu entre Pierre et puis... Merde, je me souviens plus du prénom. Moi, Ronan. Oui, et toi, je sais plus trop ce qui s'est passé. Bon, moi, c'est dommage parce que moi, je passe et je prends des dégâts. Je tape, je sais plus qui je tape, Pierrot ou toi, je sais plus. Alors, je tape devant et je tape derrière. Je repars avec 10 secondes de dégâts. C'est dommage, je pense que ça m'a pas mal pénalisé toute la course. Puis après, j'ai pris mon petit rythme, tranquillou, je me suis appliqué, quoi. Voilà. Et puis voilà, puis je voulais voir ce que ça donnait. J'ai pas fait la fameuse Duc du Cri. Coucou mon Auric, à poil, hein. Non, t'auras pas cette joie. Puis voilà, j'ai pris mon rythme et puis je l'ai tenu et j'ai pas fait de bêtises. Donc. Mais Hugo revenait bien sur moi, hein. Il était plus rapide quand même, je pense. Après, les 8 secondes m'ont pénalisé quand même. Mais c'était une belle course, sympa. Et il m'a bien donné chaud, mon petit copain Hugo. Ouais, très belle course en tout cas de ta ouais, part. Ouais, c'était le pied. Hein. Ouais, félicitations pour ce premier podium dans les Open GT Series. Très belle course, très bien menée. Merci, félicitations Dario. Pour ta P2. Merci, Dario. Et on va passer maintenant au grand vainqueur de ce soir avec une magnifique solidité. Savic, quelle course tu nous as proposé ce soir? Toi aussi, grosse remontée dans le classement, partie de la 6e place pour aller chercher la victoire ce soir, aider un petit peu aussi, comme pour les autres, des soucis des pilotes. Mais derrière, gros rythme, très bon chrono, très bonne tenue tout du long. Ça a été sans grande gêne de ton côté. Comment ça s'est passé cette course un petit peu esselé sur les avant-postes? J'ai eu de la chance parce qu'il y a eu des incidents dans lesquels j'ai été impliqué un peu malheureusement, des incidents un peu surprenants mais qui m'ont pas trop coûté cher en termes de dégâts et surtout qui m'ont permis d'être assez tranquille. J'avais qu'une crainte, c'était justement d'avoir une pénalité de temps et du coup j'ai voulu à tout prix forcer le rythme assez tôt pour justement avoir suffisamment d'espace avec les pilotes derrière.
Et après, bon, en fin de course, j'avais les pneus qui étaient un peu en souffrance et j'ai été gêné 2-3 fois par les retardataires. Mais j'étais assez content de mon rythme. Je pense que j'en perdais un tout petit peu par rapport à ce que j'avais pu faire en essai. Mais bon, j'avais la pression d'être tout simplement devant et que j'essayais de tenir au mieux. Voilà. Mais c'était une super course et j'étais très content de la perte parce j'avais un rythme assez solide et assez fiable. Ouais, on l'a vu clairement et ça a porté ses fruits hein, quand on voit le résultat ce soir. Vous l'avez un petit peu tous évoqué, je l'avais évoqué aussi dans le direct. Ça a été compliqué au niveau des pneumatiques, on le sait, sur ce tracé. Heureusement, température un petit peu plus adoucie qui ne venait pas trop faire chauffer les pneus. Mais mine de rien, vous avez quand même ressenti ça sur la fin de course. Mais vous avez parvenu à gérer les choses correctement. Donc félicitations à vous et félicitations à toi justement pour cette première participation dans les Open GT Series et cette première victoire à l'issue de cette course sur Silverstone. Donc félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être passés dans cette session d'interview. Plaisir de vous retrouver pour de prochaines courses. Moi, je vais vous laisser. Passez une agréable soirée. Je vais clôturer le direct avec les viewers. Bonsoir à vous. Bonne soirée, tout le monde. Merci. Bravo Bonne soirée. Eh bien, nous voici de retour après cette séance d'interview et cette magnifique course nocturne sur le tracé de Silverstone. Pas mal de drama, les soucis de refuel qu'on essayera d'élucider. On discutera un petit peu avec les pilotes, bien sûr, des incidents, certes, mais des grosses batailles, des retournements de situation, des retours aussi des pilotes, des podiums pour des nouveaux arrivants aussi et des premiers podiums pour des pilotes étant présents depuis longtemps sur les Open GT Series, comme quoi ben voilà, le travail paye et l'abnégation aussi forcément. Félicitations à tous les pilotes bien évidemment qui sont venus, qui ont participé à cette course sur Silverstone. On s'excuse, même si c'est indépendant de notre volonté, des différents soucis pour certains. Bon, on apprécie quand même le fait qu'on voilà du jusqu'au boutisme et que pour ces pilotes-là, on a voulu aller jusqu'au bout. Merci à vous dans le chat de nous avoir suivis sur l'ensemble de cette soirée et d'être à chaque fois présent pour vivre cette course, pour la commenter dans le chat et pour être là présent à mes côtés pour vivre tout ça. Donc merci à vous, merci de votre soutien. Pour ma part, eh bien, cette semaine, je vous retrouverai, comme je vous l'ai évoqué, pour les GT Series Tournament sur le tracé de Monza avec Naga, avec Jean-Smith Kennett, avec d'autres aussi bien évidemment. Ce sera en présentiel chez Exype, donc un live un petit peu plus particulier que les lives des Open GT Series. Donc ça, c'est un événement à ne pas manquer, à ne pas louper. Pour ça, eh bien, il suffit de follow la chaîne et vous allez être courant ou le noter dans votre petit agenda pour être encore bien plus sûr. En tout cas, eh bien, tout grand merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.